Bonjour, c'est Kevin de Pas mal de sujets. C'est bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le grand plaisir d'interviewer Fabrice Payen, qui est le premier occidental à être classé au stadium du Raja en Thaïlande. Voilà, comme tu l'auras compris, on va parler de boxe thaï, on va parler de muay thaï. Fabrice qui a plus de 200 combats à son actif et Fabrice avec qui on va aborder pas mal de sujets. Et notamment, on va revenir sur son parcours en boxe thaï, en muay thaï, en Thaïlande. On verra également sa rencontre avec le Muay Boran et plus spécifiquement le Muay Chaya, ainsi que le bouddhisme. On verra également tous les bénéfices pour un Ak Muay, pour un pratiquant ou éventuellement un non-pratiquant, à intégrer la pratique du Muay Chaya dans sa pratique quotidienne et dans sa vie de tous les jours. Également, on verra qu'il est important de faire une passerelle entre toute sa vie entre guillemets martiale, mais également sa vie de tous les jours. Et on verra que ça peut avoir un impact vraiment positif, surtout pour les personnes qui vont être chefs d'entreprise, entrepreneurs, web entrepreneurs, peu importe. Et puis également, on abordera un point qui est vraiment fondamental et très important, qui va être le côté méditatif. Voilà, j'en dis pas plus. On va retrouver donc Fabrice, mais juste avant, trois choses. Donc, l'interview étant particulièrement longue, je t'ai mis un sommaire directement disponible dans la description de la vidéo YouTube. Également, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications. Et en dernier point, sache que tu peux encore télécharger ton rituel du matin dans lequel tu vas avoir accès à trois cycles de respiration Wim Hof qui vont être prodigués par un instructeur Wim Hof certifié qui est Jean-François Tual. Également, tu vas avoir tout un ensemble de mouvements de déverrouillage, articulaire et musculaire qui va être prodigué par un instructeur en mouvement qui est Sylvain Nourry. Voilà, tu as tout dans la description de la vidéo YouTube. Et quant à nous, on passe de l'autre côté et on va donc rencontrer Fabrice. C'est parti. Bienvenue sur cette vidéo, bienvenue dans cette interview avec Fabrice. Fabrice, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Voilà un petit peu ton parcours, notamment en boxe thaï, en muay thaï, et puis également ta découverte du Muay Boran. Ok, donc du coup, moi je suis un des pionniers du Muay Thaï en France. Ouais. Un des pionniers, je ne dis pas que je le suis, enfin, du moins en tout cas, j'ai été le premier occidental à être classé en Thaïlande au Rajadhanmen Stadium en 1988. D'accord. J'étais vraiment le premier occidental, il y a eu des Asiatiques, des Japonais, mais jamais de Français. Enfin, je dis occidental parce que c'est pour englober un peu toute nationalité. Ouais. Il n'y avait jamais eu d'occidentaux classés dans un stade, donc j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir boxer pour les Thaïlandais et non pas pour la France. D'accord. J'ai boxé donc jusqu'à obtenir la place de numéro 3. Mmh. Ensuite, mon père est décédé, donc je suis rentré en France et j'ai commencé à boxer en France à haut niveau. Quoi. Donc, j'ai boxé… Comment ? D'accord, non, mais je… Ouais, ah, d'accord. J'ai boxé, donc, j'ai boxé les plus grands de ma catégorie de l'époque. Donc, j'ai boxé tous les grands tailles qu'il y avait… tous les Thaïs qui venaient de Thaïlande finir un peu leur carrière en France ou alors pour se faire découvrir. À l'époque, il y avait Samson, il y avait Kronsak, il y avait Lomisan, il y avait Daris, il y avait Yusop, il y avait Sim Prebon, enfin tous les Thaïs, Kitty, qui est un très, très grand Thaïlandais aussi. Enfin bref, j'ai eu le privilège d'en rencontrer pas mal, donc avec pas mal de victoires, de matchs nuls et de défaites, mais c'était des très bonnes expériences. Après la Thaïlande, ce n'était pas les mêmes combats qu'en Thaïlande avec les Thaïs. Ce n'est pas la même façon d'appréhender le combat. Ensuite, j'ai boxé Nida. Tu as commencé en Thaïlande et après, tu as terminé… Non, j'ai commencé en Normandie, en France. Ouais. Et je suis parti, au bout de 3 mois, je suis parti en Thaïlande. Ouais. J'ai été mordu tout de suite par le Muay Thaï. Ouais. Ça a été pour moi un appel. Quoi. Ça a été un appel vraiment important. C'était quoi le déclic pour te dire tiens, je vais en Thaïlande? Et à partir du moment où tu étais en Thaïlande, tu dis bah, je vais rester, je vais m'entraîner, je vais boxer en Thaïlande. Parce que là-bas, j'ai eu la reconnaissance tout de suite que je n'ai jamais eu en France, vraiment, tu vois. Ouais. En France, c'est quand même assez… Bon, je ne vais pas faire de polémique sur les fédérations, mais il faut quand même que tu sois connu, qu'on te connaisse, que tu sois un ami à machin, ou tu aies quand même déjà un appel. C'est un peu comme le pistonnage dans le travail. Tu sais, si tu as la chance d'être bien pistonné, tu as un bon poste. Si tu n'as pas la chance d'être bien pistonné, tu auras un poste, mais tu auras celui qu'on te donnera.
Mais bon, ça ne m'a pas empêché, j'ai aucun regret, j'en veux à personne. Au contraire, je les remercie. Je les remercie vraiment, ces gens-là, parce qu'ils m'ont permis de m'émanciper et d'aller chercher moi-même la force que je n'aurais peut-être pas eue si j'avais été un peu chapeauté. Donc, j'ai eu vraiment la reconnaissance que je peux avoir vis-à-vis de moi-même. C'est le courage, la motivation, la volonté et surtout la foi que j'avais à cette époque-là pour rien lâcher. Donc, du coup, la Thaïlande m'a reconnu tout de suite comme un farang thaïlandais. Donc, j'avais beaucoup de parieurs. C'était vraiment chouette, quoi. J'avais l'impression d'être chez moi. Et dans un pays où c'est vraiment le sport national, pour moi, c'était la vraie reconnaissance qui n'a pas de prix, que tous les titres que j'ai pu faire après en Europe, en même championnat du monde, pour moi, c'est le plus important, ça a été ce classement et cette expérience en Thaïlande qui a été vraiment une vraie, vraie reconnaissance. Ma femme, j'ai été plusieurs fois en Thaïlande après. On croisait des gens qui nous disaient que grâce à eux, grâce à moi, ils avaient pu acheter leur restaurant avec les paris. Ouais. Tu vois, ça fait plaisir de voir à quel point tu as marqué une époque. Et après, il y avait aussi en parallèle, il y avait Ramon Dekkers qui lui venait boxer beaucoup, mais il boxait pour les Hollandais. Donc, il venait juste pour boxer. Lui, tu vois, il atterrissait. Puis, il boxait essentiellement au Lumpini à l'époque. Ouais. Donc, les deux stades étaient un peu en concurrence. Tu avais l'armée et la police et les promoteurs ne s'entendaient pas très, très bien entre eux. Ouais. Donc, chacun développait dans son stade leur champion. Et j'ai connu vraiment les premières rencontres entre Thaïlande, Lumpini, Raja quand je suis reparti. D'accord. Il y avait un boxeur qui s'appelait Rajasak qui était très, très fort. Rajasak qui a été un des premiers à boxer Chalangtong qui était aussi très, très fort. C'était le champion de Lumpini contre le champion du Raja. Ouais. Et on a commencé à voir les rencontres se fusionner. Donc, c'était cool. Et après, je suis rentré en France. Donc, et j'ai boxé Joe Prestia, j'ai boxé Dida, j'ai boxé tous les Français de ma catégorie qui étaient à haut niveau à cette époque-là. Je les ai battus. Ouais. Et après, ma carrière s'est soldée. J'ai arrêté en 2004. Après une grande carrière sportive, j'ai fait 200 combats. Comme j'étais champion d'Europe et on était une école très très dure, les gens évitaient de nous rencontrer. On avait beaucoup du mal à trouver des combats après. Donc j'étais obligé de faire de l'anglaise parce que comme j'étais pas un mec doué moi, j'avais besoin de faire beaucoup de ring. Donc du coup, je me suis mis à l'anglaise. J'ai été faire un test. Et à l'époque, t'avais amateur, indépendant et professionnel. Donc moi, j'étais indépendant. Ça veut dire que je pouvais boxer des pros comme des amateurs. J'étais entre les deux. T'as une année où tu restes entre les deux et tu peux boxer soit l'un soit l'autre. Donc, on m'avait donné des points. Tu sais, c'est par points. Ouais. Et c'était super. Donc, j'ai fait 25 combats en anglaise où je me suis bien éclaté. En plus, c'était l'époque où il y avait des soirées mémorables sur Canal+, de Tyson, Leonard, Hagler, Duran, Chavez. Donc, j'étais bercé là-dedans et je modélisais beaucoup Chavez, qui était vraiment un boxeur que j'adorais. Et du coup, après, donc, ma carrière s'est arrêtée là. J'ai commencé à m'intéresser en 99 au Muay Boran. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à t'intéresser? Parce qu'en fin de compte, je sentais que j'étais en fin de carrière et que je voulais vraiment aller vers le côté interne martial. Et je ne trouvais pas, en fin de compte, l'énergie, quoi, la source que j'avais dans le Muay Thai, tu vois, cette explosivité. Alors, j'étais prêt à aller vers le karaté, mais c'était pas encore… Alors, il y avait le karaté Kyokushinkai qui me plaisait bien, mais je n'avais pas trouvé ma place. Et puis, la chance qui s'est passée, c'est qu'en 99, il y a Tony Jack qui a sorti un film qui s'appelait On Back, le premier On Back. On s'en souvient bien. Et du coup, en Thaïlande, ça a été vraiment le réveil ou l'éveil de faire ressortir le côté martial du Boran qui était un peu… une discipline réservée à l'armée pour cette défense et aussi culturelle pour les Thaïlandais qui voulaient connaître l'historique de leur pays par rapport à comment les Thaïlandais avaient réussi à défendre à plusieurs reprises leur territoire sans jamais se faire envahir. Et grâce au Muay Boran, tu avais des camps d'entraînement en Thaïlande où tu pouvais aller essentiellement donc apprendre le Muay Boran à l'époque? Alors à l'époque, un stade, et c'est marrant parce que c'était un boxeur que j'adorais voir boxer qui fait partie maintenant de la fédération de Muay Boran, mais c'était Rancid. C'était un stade où on pouvait aller s'entraîner pour apprendre le Muay Boran. Après, j'ai rencontré Yotong qui est mort,
Yotong, c'est l'entraîneur de Samat Payakaroun qu'on voit dans mon bac. D'accord. Qui dit qu'annonce les prises là, pendant qu'il distribue les tickets. Il y a... ouais. Enfin, c'est un très, très, très. Un des précurseurs du Boran, mais c'était pas un Boran comme je voulais. C'était un Boran un peu justement à la Tony Jaa, avec un mixage de tous les styles et ouais. Pas vraiment dans la racine pure. Donc moi, ce que je voulais, c'est aller vers la racine. Donc après, j'ai rencontré beaucoup de charlatans aussi, hein, les businessmen thaïlandais qui veulent te faire vendre leurs produits pour. Ouais. Pour... Donc du coup, ça a pas trop accroché avec eux. Et après, au moment où je m'y attendais plus, j'ai eu la chance de rencontrer mon maître aujourd'hui qui s'appelle Krulek, qui est à Bangkok et qui, lui, a vraiment été celui qui a gardé la fibre sans mixage, parce que tu retrouves du moins Boran avec du sol, avec des un peu formé MMA, tu vois. Donc, ouais. C'est des déviances. Et du coup, en 2004, je suis allé chez lui et il a été super content parce que lui, si tu veux, il voulait faire reconnaître aussi le moins Boran dans le milieu du Muay Thai. Parce que le fait que moi, ayant été un ancien boxeur thaï, c'était super important pour lui que je vienne comprendre ouais. le sens et l'essence de cette discipline. Ah, il y avait une vraie recherche personnelle derrière cette démarche. Comment ? Il y avait une vraie recherche personnelle derrière cette démarche. Oui. Il y avait vraiment une recherche déjà de… Je trouve ça… Je le défends à chaque fois, je répète toujours la même chose, mais je trouve ça dommage qu'aujourd'hui en France, bah, pour la France, après dans les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe, que nos boxeurs, nos Nakmoué du Muay Thai, ne connaissent pas l'historique de leur pays, de leur pratique, et qui n'ont aucune référence par rapport au côté martial. Parce que sans ce côté martial, le Muay Thai n'aurait jamais existé, parce qu'il vient, il est apparu en 1925, le Muay Thai, tu vois, il était, ouais. Avant, c'était que du Boran. Donc, c'est pour ça que c'est dommage qu'on n'ait pas eu. On a été chercher la boxe birmane, on a été chercher la boxe cambodgienne dans les fédés, là, mais le Muay Boran, on l'a mis de côté. Enfin bref, ça c'est encore une autre polémique. Enfin bref, c'est pas grave. Mais ce qui est dommage, c'est qu'un élève qui pratique, c'est pas un judoka, c'est ce que je prends souvent l'exemple du judoka, mais tu vas dans une salle de judo, tu as le code de discipline, le code moral, tu as le maître qui a amené le judo. Ouais. Et tous les judokas savent le nom de ce maître et le saluent d'ailleurs à chaque fois quand ils sont sur le tatami. Et je trouve ça déjà un respect pour la pratique et je trouve ça génial. Maintenant, après, ça n'empêche pas qu'en France, on a des super champions, on a des grands, grands fighters dont je suis en admiration pour certains. Franchement, je trouve qu'il y a vraiment eu une belle évolution dans notre pratique. Déjà, à l'époque, ouais. on n'était pas les meilleurs. Il y avait l'Hollandais qui était quand même un niveau au-dessus dans les années 80 au niveau pied-point. Et là, on est devenu, je pense, en Europe, le pays où on a vraiment les plus grands champions de Muay Thai. Et la culture aussi. La culture ouais. du Muay Thai, je parle. Donc, du coup, voilà. Alors, après, Krulek m'a formé. Et j'ai commencé à développer un peu le Muay Boran dans l'armée, ouais. à Fontainebleau où je fais des interventions avec l'armée, à Avignon aussi, à Orange avec l'armée de l'air. D'accord. Ensuite, j'ai intervenu… Des self-défense que tu incluais dans la pratique bah, En fin de compte, c'est déjà une pratique de défense, le Muay Boran. Donc, ouais, mais tu incorporais justement à leur pratique, tu incorporais des techniques de Muay Boran dans le cadre de la self-défense. Voilà, exactement. Donc, c'est pour ça, parce que comme dans la pratique, on se défend pour mieux attaquer. Donc, c'était hyper intéressant, en fin de compte. Et ensuite, j'ai continué à faire des stages un peu partout. J'ai été plusieurs fois, j'ai fait le tour de la France un peu pour faire connaître l'authenticité de cet art martial. Mmh. Moi, entre-temps, j'ai rencontré un maître C'est marrant parce que il y avait une revue qui s'appelait Dragon à l'époque. Je ne sais pas si elle existe encore. Et j'avais mon futur maître de Wing Chun et de Qigong qui ouais. vivait en Chine, qui était depuis 2 ans chez les Shaolin, qui s'appelle Tahar. C'est vraiment un monument qui vit en Égypte maintenant. Et lui, il a reçu ma revue parce que sa sœur lui a envoyé ma revue où j'étais ouais. dedans. Donc, d'accord. comme il est arrivé à Marseille, on s'est rencontrés, vraiment la coïncidence. Okay. Donc, il a appris le Boran avec moi. Et lui, il m'a enseigné le Wing Chun et le Qigong. Et là, j'ai compris tout le sens. J'ai compris tout le sens de ma pratique martiale. Qu'en fin de compte, il fallait vraiment utiliser l'interne, l'explosivité, le dynamisme de l'intérieur pour pouvoir d'accord. transmettre la précision du geste et surtout sentir que la force, elle n'est pas dans le muscle,
mais elle est vraiment dans l'énergie interne. Okay. Et du coup, notre rencontre a été vraiment extraordinaire. Du coup, je vais chez lui tous les ans. Bon, là, je n'ai pas pu y aller avec le Covid, mais moi, il m'enseigne le Chai Chi et le Qigong. Mm-hmm. Et moi, en général, on fait un échange, je distribue le Chaya, le Muay Chaya, quoi, le Muay Boran. Donc, voilà un peu pour l'historique. Juste, entre le Muay Chaya et le Muay Boran, c'est deux. Alors, le Muay Boran, il y a quatre styles. Le Muay Boran, c'est global. C'est Muay Boran, ça veut dire boxe ancienne. Boran. Et dedans, il y a quatre styles. Parce qu'avant, il n'y avait pas de moyens de locomotion. Les gens ne communiquaient pas entre eux. Donc, ils avaient pris les styles. Donc, le Muay Chaya, c'est le Muay du. Il est surtout représenté par le tigre. Mais c'est surtout des. Il y a beaucoup d'explosivité, beaucoup de frappe. D'accord. Mais explosive. Après, les autres styles ont vraiment une carte différente. Il y en a une où on utilise beaucoup les jambes. Donc, ils ont les bandages beaucoup plus longs. D'accord. En chambre. Nous, on a les bandages très, très courts, mais très épais, parce qu'on a des frappes aussi bien avec le dos de la main qu'avec la main entière. Donc, le Chaya, c'est le style qui est vraiment intéressant, parce que dedans, il y a des fondamentaux déjà à apprendre. Ouais. Ensuite, dans les fondamentaux, il y a le Yamsam Kun, qui est la marche des trois joyaux. C'est un engagement dans ton école, avec ton prof et avec ce que toi, tu vas apporter dans la discipline, mais c'est surtout une méditation marchée. C'est-à-dire que ce Yamsam Kun, c'est la structure que tu vas avoir quand tu vas avoir une attaque. Tu ne vas pas chercher, tu vas être directement en structure. Donc, c'est super intéressant. Et après, il manquait justement ce côté interne alors que j'ai retrouvé dans le Qigong et que j'ai pu mettre en place dans mes cours, dans les formations que je fais maintenant avec la Fédé. Parce qu'on a notre Fédé, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une fédération de Muay Boran, donc Fédération Muay Boran Chaya France. Okay. Qui aujourd'hui est reconnu par la SPTT. Donc, et du coup, nos diplômes sont validés par la SPTT, par le ministère. Donc, ça ouvre des portes et des écoles. On n'est pas encore dans la compète, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. On est vraiment plus dans le côté spirituel, énergétique et martial. Okay. Mais c'est vraiment chouette. Donc, moi, ça a changé ma boxe, ça a changé ma compréhension, ma frappe, ça a tout changé. Pourtant, j'ai quand même fait 200 combats en thaï, mais je me suis aperçu que si j'avais eu la chance d'avoir ces outils quand je boxais, ça aurait été, j'aurais été beaucoup plus efficace. Par exemple, d'avoir une compréhension beaucoup plus globale de la discipline. Et finalement, alors c'est pas pour être péjoratif, mais peut-être que le Muay Thai n'est qu'un faible pourcentage de toute la palette que tu peux avoir, notamment avec le Muay Chaya. Exactement. En fin de compte, on n'utilise que 30% de la pratique du Boran dans la forme sportive. Après, il y a une grosse compréhension, c'est que le Boran, c'est un art martial, c'est un art de tuer. Il y a des prises qui sont quand même, on casse le cou de l'éléphant, donc on casse les vertèbres. Donc, on ne pouvait pas investir dans la forme sportive. C'est pour ça qu'ils avaient arrêté la discipline, d'ailleurs, parce qu'il y avait trop de morts et trop de blessés. Mais par contre, dans les formes de blocage, dans les formes de riposte, dans les stratégies, il y a plein d'outils qui sont dans le corps à corps, pour ne pas prendre le corps à corps, pour s'en sortir tout de suite. Il y a plein de situations qui sont extraordinaires qu'on a complètement occultées dans le Muay Thai. Donc, du coup, un boxeur thaï qui vient faire du Boran, ça lui fait, dans sa caisse à outils, il récupère 50% de techniques qui vont lui permettre de se préserver. On a plein de blocages qu'on ne fait pas avec les tibias, qu'on fait avec d'autres parties du membre, qui sont très efficaces. On ne va pas forcément viser les tibias. Il y a plein de stratégies qui sont hyper, hyper, ultra puissantes et qui permettraient aux élèves de pouvoir se préserver. Moi qui ai fait 200 combats, tu vois, aujourd'hui, quand je donne des coups de pied au sac, je sens que j'ai besoin de travailler mes tibias parce que je sens tout de suite que l'impact n'est plus le même. Ouais. Il y a une sensibilité qui s'est faite, c'est un peu normal. J'ai été ouvert aux tibias aussi en plus. Donc, après, j'ai la chance que je peux remercier justement, c'est que comme j'étais un boxeur de corps à corps, je n'ai pas pris trop de coups dans la tête, je n'ai pas pris trop de coups dans le corps. Ouais. Je faisais beaucoup de corps à corps, beaucoup de combats rapprochés. Donc, hormis des petits coups de coude, mais sinon, je n'ai pas pris de coups assez durs où tu te fais péter les articulations. Donc, ça va, je m'en sors bien. Je veux dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas de traumatisme au niveau de l'arthrose. Tout ça, je ne suis pas trop emmerdé et je peux continuer à courir, à m'entraîner, à me faire plaisir. Et ça, je remercie aussi parce que tu vois, c'est pour ça aussi que tu vois que parfois, les combats sur Canal+, on aime bien voir du Rocky. Tu vois, je t'en mets une, tu m'en mets une, je t'en mets une, tu m'en mets une. Mais bon, après, il faut penser aux boxeurs. Et le spectacle, c'est bien. Mais en Thaïlande, tu vois, tu vas faire un combat de corps à corps, les Thaïs, ils sont à fond. Ils sont super contents. Ouais. En France, tu fais du corps à corps, tu fais presque siffler.
Parce que les gens ne comprennent pas la stratégie, mais après, on ne peut pas leur en vouloir. C'est l'éducation, c'est notre culture qui fait que c'est comme ça. Tout à fait, ouais. Voilà, voilà. Bah, ça fait un beau parcours. Est-ce qu'on pourrait aussi parler un petit peu de tout ton parcours dans le bouddhisme ? Je sais que tu as été donc tu as fait des retraites, tu as été moine pendant plusieurs mois, plusieurs années, me semble. Est-ce que tu peux revenir un petit peu ? Qu'est-ce qui t'a fait aller vers le bouddhisme ? Est-ce que tu as d'abord fait le Mwembaran et tu as voulu aller plus loin dans ta recherche et dans la spiritualité ? Comment est-ce que ça s'est fait finalement ? Bah en fin de compte, j'étais bercé dans le bouddhisme depuis mon arrivée en Thaïlande avec la boxe thaï. Parce que les boxeurs thaï sont un peu superstitieux ou croyants. On pourra y mettre l'étiquette qu'on veut derrière, mais on va tous dans un temple avant un match, on va brûler de l'encens, on va prier Bouddha pour que notre corps… Moi, il y avait les moines qui me mettaient avec de la cire de bougie sur les coudes, sur les genoux, des protections. Donc, on est tous bercés un peu dans ce modèle-là quand on vit là-bas. Et après… j'ai étudié le bouddhisme et j'étais pas prêt en fin de compte. J'étais pas prêt à comprendre le sens qui est simple. Hein. Le sens du bouddhisme, c'est tu observes, tu acceptes, tu observes, tu restes équanime, tu vas pas dans l'avidité, tu vas pas dans l'aversion et ta vie elle est nickel. Mais c'est facile à dire intellectuellement, mais à pratiquer c'était pas facile pour moi. Donc après j'ai traversé pas mal de turbulences après la boxe. Bon, j'ai rencontré le monde de la nuit qui n'était pas du tout la bonne porte pour moi. Ouais. Mais bon, c'était une expérience et une épreuve qui m'a fait justement comprendre que ce n'était pas pour moi. Donc, j'ai arrêté, je suis parti dans le sud et là, j'ai eu vraiment un besoin de travailler sur moi très profondément. J'étais un peu perdu entre l'arrêt de la boxe. Ce n'est pas évident de faire une reconversion. Changement de vie. Les gens te voient toujours comme un boxeur. Donc, les seuls boulots qu'on te propose, c'est videur de boîte de nuit, agent de sécurité, enfin des trucs qui ne sont pas du tout en corrélation avec ce que je ressentais. Et j'ai commencé à m'intéresser au bouddhisme. Pardon. Je suis parti faire une retraite en Thaïlande en tant que laïc. Laïc, ça veut dire que tu vis dans le temple, mais tu n'es pas moine. Donc, tu prends que 5 préceptes au lieu de 10. D'accord. Et j'ai demandé après aux Thaïlandais si je pouvais revenir et si je pouvais pratiquer être moine. Quoi. Donc ils m'ont dit OK. Quoi, les cinq principes, c'est s'abstenir de ne pas tuer, d'être vivant, s'abstenir de ne pas mentir, s'abstenir de ne pas avoir de relations sexuelles si tu es laïque dans un temple, sinon d'adultère, quoi, de ne pas avoir de. Ouais. Après, de ne pas avoir de mauvaises pensées ou de mauvaises choses sur les gens. Et le cinquième, c'est ne pas avoir d'addiction. Donc, moi, à l'époque, je fumais. Donc, les moines m'ont dit, OK, on est d'accord pour que tu viennes, mais il faut que tu arrêtes de fumer parce que ça fait partie du cinquième précepte. Donc, j'ai dit OK. Du coup, j'ai arrêté de fumer comme ça. Et je suis revenu, j'ai été moine. Donc, j'ai beaucoup appris la méditation marchée. J'ai appris beaucoup de sortes de méditations. Enfin, ça a été pour moi une bonne expérience. Et puis, surtout, de voir à quel point… d'arriver à se détacher de certaines choses, c'était important pour nous en tant qu'être humain. Et ensuite, je suis rentré et je suis reparti pour être moine en Birmanie parce que j'avais rencontré une nonne qui s'appelle Arianani, qui est une Suisse et qui était moine depuis 20 ans en Birmanie, qui était venue faire une retraite à Aix-en-Provence où j'étais dans le sud. Okay. Et du coup, je suis parti là-bas. Donc, j'ai fait de la méditation avec elle en tant que moine. Je suis rentré et après, j'ai commencé à pratiquer une méditation qui s'appelle Vipassana. D'accord. Qui est pour moi la méditation la mienne en tout cas, parce qu'on est dans la sensation. Moi, je suis très kinesthésique et j'avais vraiment, vraiment besoin d'avoir une méditation. Alors, c'est une heure le matin, une heure le soir. Mais quand tu fais des retraites de 10 jours, tu ne parles pas pendant 10 jours. Tu médites de 4h30 jusqu'à 9h du soir, donc à peu près 9 heures de méditation entre les coupures pour le repas et tout. Ouais. Et ça te permet vraiment de travailler sur toi. C'est ce qu'on disait justement la dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 3 semaines. Et on a le droit de parler que le 10e jour. Et on parlait avec les gens qui étaient là-bas et on se disait, bah, tu vois, tu prends Mike Tyson, parce qu'on parlait de Mike Tyson en ce moment qui est en train de revenir, là, qui est à fond. Quoi. En plus, c'est chouette ce qu'il fait. Mais on se disait que tu prends Mike Tyson, tu l'assois sur un coussin de méditation pendant 10 heures et tu lui dis de méditer. Bah, c'est plus Mike Tyson, il est comme toi. Quoi. Ouais. Parce que là, tu es face à toi-même. Tu rencontres ton propre adversaire, c'est toi. Et tu fais remonter plein de souillures, plein d'impuretés de ton corps. Donc, tu passes des moments où c'est très difficile, tu passes des moments où c'est très agréable. C'est l'impermanence de tout ça. C'est ça qui est intéressant dans le bouddhisme. Pourquoi j'aime le bouddhisme ? C'est qu'on apprend la seule chose qui est réelle.
dans la vie de tous les jours, encore maintenant, aujourd'hui, c'est que tout est impermanent, tout apparaît, tout disparaît tout le temps. Tu as une douleur au bras, si tu te soignes, deux jours après, la douleur a disparu. Si tu as une pensée qui arrive, elle ne fait que passer. Ouais, c'est d'arriver à se détacher de tes pensées. Ça peut même aider quand tu vas boxer à te dire… C'est exactement. D'arriver à se… Je n'analyse pas, mais je suis là le moment présent et je vois ce qui se passe. Exactement. De toute façon, bon, moi, je suis hypnothérapeute aussi. Tu vois, je suis magnétiseur. Et quand on regardait mes combats de boxe avec un ami aussi qui est dans la thérapie, il me disait, mais tu vois, là tu n'es plus dans le mental. Tu es obligé d'être dans l'instant présent. Ouais. Et c'est ton inconscient qui prend le relais. Tu n'es plus dans l'inconscience. C'est ce qu'on appelle l'automatisme de ton geste que tu as appris. Dans le flow, en fait. Quand tu es dans le flow, tu as l'impression de lire un peu ce que va faire ton adversaire. Tu as une demi-seconde d'avance et tu sais qu'il va envoyer le point. Et exactement. Sais, en fait, tu réfléchis plus, ça passe par le corps. Et c'est là où, en général, Moi, je me souviens. Dès lors où tu remets du mental et tu laisses ton esprit reprendre, donc tu réfléchis. T'as perdu une seconde, t'as pris une droite dans la tronche, quoi, tu vois. Ouais. T'es vraiment dans l'instant présent, c'est là que tu bouges comme l'autre qui bouge. Et notre cerveau, il a déjà préfabriqué ce que tu vas faire deux secondes après. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on anticipe beaucoup, et ce qui est important, c'est d'être uniquement avec l'autre. Et tu le vois, hein, quand tu es vraiment bien dans un match, c'est ce qui fait qu'il y a deux champions qui se rencontrent. À un moment donné, il y en a un qui met KO l'autre parce qu'il a trouvé juste l'ouverture à la seconde près où il fallait frapper. Quoi. Donc voilà, en tout cas, le bouddhisme, pour moi, ça a été une grande porte. Et aujourd'hui, ça m'a permis aussi de travailler sur la moralité, parce qu'on doit travailler sur trois axes. Donc le premier axe, c'est la moralité, donc c'est les cinq préceptes que tu prends. Ouais. Ensuite, c'est le samadhi. Samadhi, c'est aiguiser son esprit. Aiguiser son esprit, c'est une méditation qu'on fait avec la respiration pour arriver à avoir un point de centre et pour laisser les pensées s'en aller. Ouais. Et la troisième, c'est… L'activité cérébrale, c'est ça que tu essayes de chercher? Bah, tu travailles avec la respiration et tu reviens toujours sur la respiration. La respiration, mais sur un point bien précis. Comme ça, tes pensées, à chaque fois que tu penses, tu reviens et à force, les pensées prennent de la distance. Et tu es vraiment… On appelle ça le premier jhana. C'est le premier niveau dans le bouddhisme. C'est d'arriver à contrôler juste l'instant présent avec la respiration et ne plus avoir de pensée. Donc, ce n'est pas évident. Hein. C'est un vrai travail d'une vie, peut-être, pour certains. Et après, tu as Panya, c'est la sagesse. Ouais. Et c'est donc Vipassana. C'est observer son corps d'un point A à un point B sans réagir aux sensations. C'est-à-dire que quand tu as une douleur, tu ne réagis pas à la douleur, tu l'observes. Parce que la douleur, en fin de compte, elle est cachée, elle est remplie de souffrance qui vient de l'intérieur, elle s'en va. Si tu as envie de te chatouiller parce que cette chatouille et que tu as envie de te gratter, c'est l'avidité, c'est le désir. D'accord. Donc, tu réagis ni à l'aversion ni au désir et ça te permet d'après de voir, quand tu es dans la vie de tous les jours, comment tu peux agir face aux situations. Donc, c'est super intéressant. Et dans le Mueboran, on a inclus une partie justement énergétique, énergie interne, méditation et pratique. D'accord. Et les gens qui pratiquent ça, les trois axes, ont des résultats très rapides. Les gens que tu as intégré dans la pratique que tu as mis en place et que tu vas mettre en place avec les clubs qui vont être sous la fédération en septembre, c'est ça? Ou c'est quand toi tu l'as appris directement en Thaïlande? Ou c'est toi qui as rajouté ça? Alors moi, en Thaïlande, j'ai appris la méditation. Ouais. Et après, tout le reste vient du yoga et du qigong. Ok. Mais en le pratiquant avec mon maître qui lui fait du Wing Chun, donc c'est encore différent, on a vu le point commun qu'on avait ensemble avec le Boran et maintenant quand j'enseigne le geste qu'on doit faire, quand tu mets justement l'interne l'attention sur ce que tu vas faire, les gens qui commencent seulement à pratiquer ont déjà des sensations. D'accord. Toi, souvent, les gens, quand ils viennent apprendre un sport, au début, ils frappent dans un sac, mais ils n'ont pas mis l'intention de frapper. Ils frappent pour se défouler, pour lâcher des colères, pour exprimer ce que leur corps a besoin de lâcher. Mais si jamais tu mets ton intention et l'attention, mais là, tu deviens très, très vite, tu progresses très, très vite. Hein. C'est des raccourcis, en fin de compte. Hein. C'est d'arriver à être 100% là sur le moment où tu vas frapper. C'est-à-dire exactement. Que tout ce qui est autour exactement. N'interfère plus. Il n'y a plus de pollution, il n'y a plus de parasites. Tu n'es pas en train de penser ce que tu vas manger ce soir. Tu n'es pas en train de penser ce que demain, ton rendez-vous, quand il va bien se passer.
Enfin, tous tes problèmes perso, en fin de compte, l'idéal, c'est de les laisser au vestiaire et te mettre à 100% dans la pratique. Et c'est là où tu prends, où tu développes ton instinct, ton intuition, tu développes plein de choses, en fin de compte. Parce que tu n'es plus pollué, t'es plus, ton esprit est là, quoi. En fin de compte, c'est être le maître de son esprit. On parle de mental dans le sport. Nous, on parle de mental dans la thérapie et on dit que c'est notre pire ennemi, le mental. C'est le plus grand hypnotiseur parce qu'il va choper des pensées toute la journée, il va t'envoyer plein de merde et tu vas être dans... Pardon. Tu vas être dans des films de ta vie qui... où tu étais dans le passé ou dans le futur, mais jamais dans le présent. Des boucles qui se mettent en place et qui sont en circuit fermé et d'arriver justement à court-circuiter. Exactement. Et tu vois, par exemple, ce qui est intéressant, c'est quand tu arrives à avoir la maîtrise de ton esprit, ben, quand tu t'entraînes et que tu fais un match, par exemple, ton stress, il devient positif. La peur, elle est inévitable. On ne peut pas ne pas dire que le mec qui te dit « ouais, je monte sur un ring, je n'ai pas peur », c'est faux. La peur, c'est un vecteur, justement, c'est un vecteur d'évolution. On a tous peur en la vie, c'est normal, heureusement. Parce que sinon, demain, si tu as un pitbull qui te fonce dessus, que tu n'as pas peur des chiens, bah, tu n'as plus de mollet, quoi. Donc, c'est important d'avoir cette peur, mais il faut qu'elle soit rationnelle. Il faut que tu puisses la gérer. Quand elle devient extrême et que tu rentres dans le vestiaire, tu te mets à trembler et que tu montes sur le ring, c'est mort, quoi. Le moindre coup que tu vas prendre va prendre toute son ampleur. Donc, c'est vrai que c'est toute cette partie travail du mental, comme on le disait, hein, c'est vraiment hyper important quand tu boxes parce que déjà, rien que quand tu vas t'entraîner, si tu n'es pas à 100% dans ton entraînement, parce qu'on a toujours des petits problèmes de la vie quotidienne, ça peut être un problème personnel, un problème professionnel, peu importe. Et c'est vrai, d'arriver à te mettre dans une bulle quand tu t'entraînes, mais même quand tu boxes, quand tu vas faire un combat, c'est souvent là où ça fait la différence. Je voulais voir avec toi également, donc là, on a vu toute la partie, on va dire, avantages, bénéfices pour quelqu'un qui va pratiquer, que ce soit du Muay Thai, Muay Boran, sport de combat de manière générale. Bon, on l'a également un petit peu abordé, mais pour une personne qui n'a jamais pratiqué d'arts martiaux, quel intérêt à pratiquer le Muay Boran, même si on en a déjà un petit peu parlé, le fait d'arriver à te contrôler émotionnellement, d'arriver également à pouvoir te défendre, pourquoi pas par la suite boxer. Donc, quel serait l'intérêt pour une personne qui nous écouterait, non pratiquante, mais qui serait intéressée par pratiquer le Muay Thai? L'avantage du Muay Boran, comme tout art martial, mais le Muay Boran en particulier par rapport à ce qu'on enseigne nous, c'est que ça permet aussi d'arriver à avoir une propre discipline avec soi-même déjà. Donc, c'est super important de prendre une vraie décision et une discipline. L'avantage, c'est qu'on a une reconnaissance par rapport à notre pratique technique. Donc, déjà, de voir à quel niveau on se répertorie. Donc, pour des gens qui ne veulent pas faire de compétition, moi, j'ai des gens qui ont 65 ans là, qui pratiquent. C'est des gens qui commencent seulement à 65 ans donc, et qui prennent du plaisir parce qu'en fin de compte, ça les ramène à l'essence de la vie. Le principe, pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué, c'est de découvrir que déjà, avec le corps, on peut faire énormément de choses et ça casse les croyances limitantes de notre propre perception de notre réalité qui est complètement créée par une illusion de croyances limitantes. Donc ça permet aux gens en fin de compte d'accéder déjà à des ressources et à mettre les capacités qu'ils ont déjà en eux en pratique. Après, dans le côté défense, c'est pas un sport d'attaque, c'est un sport où on se défend pour mieux attaquer après. Donc ça veut dire que c'est pas dans l'idéologie, c'est pas pour les casser des gens ou frapper des gens, c'est simplement je reste dans la confiance de ce que je sais faire, dans ma maîtrise. Par contre, si je me fais agresser, je saurais qu'en bloquant, je vais déjà affaiblir mon adversaire. Donc déjà, ça, c'est important. Après, dans le côté spirituel, il y a le côté méditatif donc, qui permet justement aux gens de gagner en matière grise au niveau du cerveau, au niveau des capacités de réflexion, de prise de recul, de gérer ses émotions, ses peurs, ses angoisses. Ça leur permet vraiment d'arriver justement à se retrouver aligné et en phase avec ce qu'ils vont faire. Donc ça, c'est vraiment des points très, très forts. Après, bien sûr, selon le caractère de la personne, soit ça va calmer, ça va tempérer, soit ça va amplifier justement le fait de ne plus être soumis ou être toujours soumis à la société et être toujours en train de recevoir cette manipulation. Ouais. Ça permet vraiment de prendre du recul et de devenir le maître, en fin de compte, de son corps. Pas des autres, mais de soi-même. Donc, c'est un travail, bien sûr. Et il y a aussi… Alors, il y a un côté au niveau cardio, au niveau coordination motrice, au niveau motricité tout court, au niveau
c'est aussi comme un jeu. C'est-à-dire qu'on n'est plus Alors, il y a une rigueur, bien sûr, comme tous les arts martiaux, mais quand même, il y a une grande ouverture qui permet aux gens de tout âge, déjà, de se mélanger, mais aussi de pouvoir acquérir vite des propriétés qui vont leur servir dans leur vie de tous les jours. Par exemple, avant un contrôle, avant une épreuve d'école, ben, ça permet, quand tu as l'habitude de contrôler tes émotions à la salle, ben, là-bas, quand tu vas t'appréhendre différemment tes futurs contrôles, pour se faire embaucher dans une entreprise, dans les relations avec les collègues de travail qui ne sont pas toujours faciles. Puis on passe plus de temps au travail que chez nous. Ça englobe un tout parce qu'on travaille vraiment avec cette philosophie. Justement, dans la formation d'instructeur, on a tous le même pilier et les mêmes fondations. C'est-à-dire qu'après, chacun il va y mettre son style particulier avec son histoire de vie. Mais à la base, on part sur la même philosophie de travail. C'est-à-dire qu'on dérogue à rien du tout. On reste bien sur la pyramide d'apprentissage. Ouais. Et après, chacun va y trouver son truc à lui aussi ou à elle. Parce que c'est aussi un sport qui est très, très, très pratiqué par les femmes en Thaïlande. Ouais. Qui leur permet vraiment de se défendre. Et puis aussi, c'est souvent les étudiantes, c'est souvent des gens qui sont déjà dans le commerce. Qui viennent parce que ça leur permet aussi de lâcher, de lâcher des émotions, de lâcher. On est vraiment dans un monde où on est très pris par le stress du travail, de la relation avec l'autre, de la relation aussi avec tout ce que le gouvernement fait. Donc, quand on peut un peu s'évader de tout ça pour se retrouver dans une énergie positive, ça fait quand même du bien. Puis en plus, le fait de frapper sur une cible, ça permet aussi de lâcher beaucoup d'énergie négative qu'on aurait pu accumuler dans le travail, dans la journée ou auparavant. On ne s'en rend pas compte des fois, parce que notre corps prend beaucoup. Ouais. Et souvent, on ne l'écoute pas. C'est quand il commence à être en burn-out, le corps, que les gens se réveillent. Et parfois, il est trop tard. Ils se retrouvent couchés, ils ont le dos en vrac, ils ne peuvent plus marcher. Et ils se disent « Ouais, je me suis pris une charge trop lourde. » Non, non. C'est qu'en fin de compte, le corps, il a tellement pris de charge émotionnelle qu'à un moment donné, il dit « Stop ». Souvent, les gens, ils sont un peu comme… Ils croient qu'il faut marcher sur la tête pour avancer, mais le plus important, c'est le véhicule, c'est le corps. Donc, c'est pour ça que la pratique, on est vraiment dans le corps. On a vraiment une maîtrise aussi du déplacement. On apprend vraiment à sentir le centre de gravité. Si tu es bien ancré, en fin de compte, dans ton sport, tu es bien ancré dans la vie. C'est un bon ancrage, c'est important. Tu as les pieds sur terre, il peut t'arriver un ouragan en pleine tronche. Si tu n'es pas ancré, tu pars avec l'ouragan. Si tu es bien ancré, ça ne veut pas dire que tu vas prendre l'ouragan en pleine tête, mais tu vas l'aborder différemment. Ça va te permettre vraiment de rebondir et d'agir très, très vite dans quelque chose qui pourrait t'altérer. C'est ça qui est intéressant, d'avoir un parallèle entre ta pratique martiale, sportive, peu importe, et ta vie de tous les jours, de ne pas avoir une scission, mais d'arriver à faire en sorte que les deux finalement se combinent et que quand tu prends les coups à la salle et que tu arrives à avoir du recul par rapport à ça, que tu arrives également à l'intégrer dans ta vie de tous les jours et comme tu le dis, dans ton milieu personnel, professionnel. Je vois qu'il y a beaucoup, je suis dans le milieu de l'entrepreneuriat et j'ai beaucoup de personnes que je connais qui sont dans mon entourage qui pratiquent des sports de combat parce que ça leur permet déjà de se défouler, mais ça leur permet de se dire avec toutes les patates que j'ai prises à l'entraînement, si mon business aujourd'hui il va pas bien, c'est pas grave parce que je sais que c'est un cycle et dans tous les cas ça ira mieux. Donc on arrive à avoir ce recul par rapport à la vie de tous les jours et notamment professionnelle. Exactement, moi si tu veux je m'en étais pas rendu compte, mais bon, moi la vie m'a pas fait de cadeau, j'ai perdu mon père très jeune. En plus, j'avais une vie quand même familiale très chaotique. J'avais qu'une envie, c'était de me barrer. Et tous ces chemins chaotiques que j'ai traversés ont fait de moi, justement, à chaque fois, ça a été des piliers à passer. Donc, il y avait une côte, il y avait un pilier là. Hop, qu'est-ce que je fais? Je retourne en arrière ou je continue. Et c'est ce qui m'a fait arriver à un niveau. Donc, j'ai vraiment mangé de la vache enragée des fois. De la merde, quoi. Et comme je te disais au début de l'interview, c'est que il n'y a personne, je dis bien personne, qui m'a donné un coup de main. Je n'ai pas la chance de Dida qui a rencontré Van Damme et qui a rencontré Kepchi qui l'a pris sous sa coupe et qui lui a fait monter un palmarès. Enfin, je n'ai pas eu cette chance, moi, d'avoir les médias. Après, ce n'était pas non plus encore la génération média. On n'avait pas encore les portables. Donc, du coup, pour avoir une vidéo… Aujourd'hui, tu appuies sur le bouton, tu as tous les combats que tu veux, tu as tous les trucs. Enfin, tu vois, je me suis vraiment… Mais je remercie justement la vie parce que, tu vois, demain, je peux avoir une grosse galère. Tu vois, c'est comme on parlait de l'impermanence tout à l'heure. On a tous été au même niveau il y a 3 mois quand le Covid il est arrivé en France.
Tout le monde avait des projets dans sa vie, tout le monde avait des trucs. Moi, j'avais plein de stages, j'avais des voyages de prévu. Et ben, du jour au lendemain, on m'a dit à minuit, tout est fermé, quoi, tu vois. Mmh. Et là, tu peux être milliardaire, tu peux être pauvre, tu peux être où tu veux. C'est pareil pour tout le monde. Le virus, il n'a pas choisi, il a été là où tu as été. Donc, c'est pour expliquer aux gens que cette impermanence, ben, il faut l'accepter. Et quand tu l'acceptes, bon, tu la traverses, attention, hein, je ne dis pas que c'est facile. Si tu acceptes les choses, tout va bien se passer. On n'est pas non plus, on n'est pas non plus là pour accepter, donner. Et puis, mais ça veut dire que tu vas agir différemment. Mais comme tu disais, tu vois, l'avantage, c'est pour les, pour des chefs d'entreprise ou des gens comme ça, quand tu as l'habitude de te dépasser dans un sport de combat ou dans une pratique martiale, et que tu as l'habitude d'aller au-delà de, ton, de la barre, de dépasser par exemple sur un round où tu vas être mis en épreuve au sac ou quoi que ce soit, enfin bref. Si tu arrives à te dépasser un petit peu de 10%, 20% à la salle, ben c'est les 20% que tu vas retrouver dans ta vie tous les jours. Et tu ne fais pas attention, ça se fait tout seul en fin de compte. Tu ne peux pas dire « ouais, c'est grâce à la boxe ». C'est quand tu arrêtes, tu te dis « waouh, grâce, si je n'avais pas fait ce sport, je n'aurais pas pu dépasser mon entreprise qui se casse la gueule ou qui chute à un moment donné. Je n'aurais pas pu reprendre le niveau pour remonter l'entreprise ». Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la vie, en fin de compte, c'est un sport. C'est un combat. Pardon. Sauf que le mot combat est dur parce que. Rebondir. Voilà, mais le problème, c'est que si on met le mot combat dans la vie, on se retrouve en opposition tout le temps. C'est, moi, je préfère qu'on dise ouais, il faut accepter ce qui nous arrive dans la vie pour mieux rebondir derrière, plutôt que de combattre. Si je combats, ça veut dire que je repousse, ça veut dire que ça va revenir en boomerang 10 fois plus puissant. Et voilà, donc le Boran aujourd'hui, il prend enfin sa place en France. Ouais. Alors, on avait commencé à bosser avec la SPTT, mais bon, à l'époque, le DTN était parti. Ça a été un peu… C'est dommage parce que c'était bien. Joe Prestia avait vraiment mis beaucoup de volonté. Il avait été vraiment cool. Ouais. Après, la FFKMDA, là, ils n'ont pas voulu bosser avec moi. Ils ont pris la boxe Birman, je ne sais pas quoi. Enfin, bref. Et on s'est dit, bah, de toute façon, pour être authentique et faire un truc vraiment… où on a besoin de personne, on va faire le Boran, on va le mettre dans une fédération à part. Et du coup, on a sollicité la SPTT qui a reçu notre dossier, qui a été validé par la DTN. Et aujourd'hui, l'avantage de la SPTT, c'est que c'est quand même une fédération qui existe depuis 1900. Je crois que c'est un truc… c'était la poste avant. Je me souviens, quand je faisais du foot à l'époque, c'était sous couvert de la SPTT. Moi aussi. J'avais fait du hand aussi à Évreux, c'était la SPTT. Mais encore, il y a plein de clubs. C'est vraiment une grosse fédération. Et du coup, ils nous ont accueillis vraiment avec vraiment beaucoup de plaisir. On les remercie parce que vraiment, ils ont cru à notre projet. Et ils ont vu que c'était hyper concret. Le mode de fonctionnement est très, très, très intéressant. J'ai des super instructeurs là, qui sont en finalisation de formation. Et j'en ai déjà qui sont formés depuis avant qu'on soit avec la SPTT. Ouais. Donc, les gens, ça se développe dans le sud, dans l'est, dans le nord. Il y a encore un peu l'ouest qui n'a pas encore été trop sollicité, mais on va laisser les choses se faire. C'est comme tout, il ne faut pas être pressé, il faut être patient. Et puis, Donc, ça commence en septembre là. Donc, voilà, septembre, ça commence. Alors, moi, je fais une formation sur Zoom. D'accord. Donc, ce qui est chouette parce qu'en fin de compte, les élèves… On se retrouve tous sur Zoom. D'accord. Donc, il y a un cours collectif. Et après, je les prends un par un en correction. D'accord. Quand ils ont un devoir à rendre. Et après, on fait une présentielle en stage ou pour passer l'épreuve. Mais comme Zoom, c'est vachement intéressant parce qu'on peut se retrouver à n'importe quel jour de la semaine. On se bloque, on fait des corrections en live. Et puis, on se voit bien. C'est super chouette. Donc, ça permet aux gens qui habitent loin, par exemple, parce que j'ai un stagiaire là, qui est à Perpignan, j'en ai un qui est à Nantes, j'en ai un qui est à Toulouse, à Auch, enfin à Niort, à Limoges, enfin tu vois, ils sont un peu partout. D'accord, donc plutôt à chaque fois prendre un week-end, se déplacer, c'est pas évident. Donc là, on se branche une fois par semaine, on se branche sur Zoom et après je fais des corrections. Les gens ont des devoirs parce qu'on apprend à faire un modèle de séance. On travaille aussi sur l'historique du Boran pour justement bien connaître les racines. Ils ont un mémoire à rendre par rapport à ça. Et ils ont des devoirs à faire sur les techniques que je leur demande. Donc, il y a du look mai. Le look mai, c'est un peu la mère. On appelle ça la mère de toutes les techniques de Boran qui sont dans le look mai. Donc, c'est des défenses sur l'attaque de poing, attaque de jambe, attaque de coude, attaque de corps à corps. Donc, il y a du look mai dedans.
Après, il y a le Yan Sam-kun qui est vraiment, comme je t'expliquais, la marche des trois joyaux qu'il faut connaître par cœur avec les différents déplacements. C'est un peu le, si on devait le mettre en box style, c'est un peu le shadow du Muay Boran. Et après, il y a les 10 fondamentaux qui sont vraiment très très importants et qui permettent à structurer rapidement le boxeur dans sa garde sans avoir de défaut de placement et pour travailler l'explosivité. Ok. Donc c'est très complet. Hein. Ouais. Il y a des gens qui viennent en Thaïlande chez Krolek, qui sont architectes ou qui travaillent dans le business et qui viennent juste pour faire les fondamentaux parce que c'est 30 minutes de gymnastique qui permet vraiment de te structurer et d'avoir après un corps hyper musclé mais avec la musculation naturelle. Ouais. Mais je me souviens quand on avait fait un stage à l'époque avec toi où c'était des positions très très basses et même avec 10 ans de boxe thaï derrière moi. Je suis arrivé à la fin de la séance, même le lendemain, le surlendemain, je fais, mais j'ai des courbatures que je n'avais jamais eues parce que tu travailles vraiment beaucoup l'ancrage sur les jambes. Et tu fais, mais d'avoir une garde assez basse comme ça, ça te fait travailler, mais constamment sur les membres inférieurs. Exactement. Et du coup, on fait des ancrages, on travaille beaucoup sur la méditation statique pour apprendre à connaître son corps. En fin de compte, il y a beaucoup de boxeurs qui boxent, mais qui n'écoutent jamais leur corps. Alors, ils se connaissent comme les Thaïlandais. Par exemple, tu vas en Thaïlande, on t'apprend la boxe thaï. Si tu poses pas de questions, l'État il te donne pas de réponse quoi. Ouais. Parce que c'est normal, c'est une institution. Ils ont les gamins, ils arrivent, ils connaissent la boxe, ils la voient à la télé tous les dimanches. Enfin, donc ils apprennent en regardant l'autre. C'est beaucoup ils modélisent beaucoup. Quelle est la puissance qui part sur la racine de la plante des pieds qui va emmener l'amplification dans ton geste. Enfin, les gens sentent vraiment leur corps. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de sentir son corps quand tu bosses. Parce que tu comprends tout ce qui se passe, tu comprends et tu peux même être déjà en regard interne sur ce que tu vas faire. Et c'est chouette, hein. Vraiment. Moi, c'est ce qui a changé dans ma boxe, par contre. Tu vois, c'est vraiment le plus, c'est que j'ai un vrai plaisir. Toi, moi, je ne suis pas très musclé physiquement, mais j'ai une puissance interne que quand je mets un coup, un mec qui est plus musclé à côté de moi, il va taper moins fort que moi. Ouais, et ça, je l'avais vu, j'avais interviewé, c'était l'interview de précédente avec Thomas Perez qui représente la méthode d'Ikayu, le coréen, qui fait pas mal de frappes. Et c'est vrai qu'il disait que il paye pas de mine, mais il arrive à te mettre une frappe qui n'est pas en rapport avec sa masse musculaire, mais avec sa capacité à transmettre l'énergie, en fait. Et tu disais, il te met une frappe, tu t'en souviens toute ta vie tellement ça fait mal. Exactement. Puis après, on a les points acupuncture, tu vois. On va frapper sur certains points, on va chercher des faiblesses dans les jambes. Il y a plein de structures qui sont très, très fragiles, mais souvent, les gens tapent partout, sauf où il faudrait taper une fois, tu vois. Ouais. Et après, cette puissance, moi, je l'ai vue parce que je vais souvent à la salle de muscule et je vois des mecs qui sont super balèzes physiquement. Et quand j'arrive au sac, ils sont tous un peu étonnés parce que, bon, moi, j'ai 53 ans, tu vois. Et quand je frappe au sac, il y a quand même cet impact qui est là, quoi. Il y a le truc qui… Donc, ils sont là, ils se disent, putain, le mec, il a pas trop de biscotto, là, mais il arrive quand même à être puissant. Mais c'est ça qui est chouette. Et c'est, tu le sens à l'intérieur, le truc. C'est pas explicable. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il y a des fois où tu tapes dans le sac. C'est comme si tu avais au pied, tu avais un émetteur. Le chi, le hara, comme tu l'appelles, tu vois, je sais pas, le prana, enfin, le chi, c'est l'amplificateur et le transmetteur, c'est la frappe que tu vas avoir. Quand tu as ces trois modèles qui se mettent en route, là, tu deviens très puissant, quoi. Et donc, tout ça, c'est enseigné dans les cours de Muay Boran qui vont être dispensés donc là, à partir de la rentrée. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des sites internet si je suis intéressé pour m'entraîner? Est-ce qu'il y a des pages Facebook? En tous les cas, on mettra tous les liens dans la description de cette vidéo. Si on veut pratiquer, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi? Alors, moi, j'ai un Facebook, c'est Fabrice Payen Mechka France. Ouais. Le lien sera dans la description. Ouais. Ensuite, il y a l'école Muay Boran France. C'est à nous. Ouais. Il y a la fédération Muay Chaya Boran France. D'accord. C'est sur Facebook, tout ça. Okay. Après, il y a mon adresse mail qui est fabrice.payen13@gmail.com. Ouais. Et mon téléphone, c'est 06 50 12 55 80. OK. Donc, si les gens veulent s'affilier à notre fédération, l'affiliation, elle est de 80 euros. Ouais.
parce qu'on redonne 50 euros à la SPTT et on garde 30 euros pour avoir un fonds de fonctionnement pour notre fédération. D'accord. Et la licence, je crois que c'est entre 22 et 25 euros. Okay. Avec une super couverture au niveau mutuel pour si jamais quelqu'un se blesse ou quoi que ce soit. Et tout ça, c'est la trésorerie, le siège est à Montpellier. Mmh. Et voilà, donc après, nous, on veut un truc fluide, sympa, il faut que les gens prennent du plaisir surtout. Ouais. Donc il y a des sections enfants, il y a des sections femmes, il y a des sections aussi adressées à l'armée. Là, on est en train de travailler avec Orange pour aller intervenir de plus en plus à la base militaire aérienne, ouais, l'armée de l'air. Après ça se fait tout seul. On est patient, quoi, parce que on a tellement mis de temps pour arriver à trouver un point de démarrage que maintenant on est ancré. Ouais. Bah, maintenant, faut laisser les gens sont là et maintenant on va laisser monter le truc. Voilà, on a eu la chance de faire plusieurs fois Bercy. Ouais. On a fait en 2008, 2013 et 2016. Et c'était assez sympa, quoi. On a fait des démonstrations qui étaient assez atypiques. Mmh. Donc voilà. Donc nous, on est après. Nous, ce qu'on veut, c'est aussi, par exemple, dans les galas de boxe, faire valoir notre les racines du Muay Thai. Par exemple, quand il y a un galas de boxe Thai, ben, si à l'entracte, tu peux faire une petite démonstration, de faire voir ce que sont les valeurs. C'est intéressant. Voilà, on est ouvert à tout. Après, on veut pas faire du n'importe quoi non plus, mais on voudrait simplement que attirer pas forcément un public de la boxe thaï, parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans les arts martiaux qui ne veulent pas aller dans la boxe thaï parce que ils trouvent que c'est trop violent ou qu'il n'y a pas la même essence. Donc ils viennent vers le Muay Boran parce qu'ils s'aperçoivent que c'est martial, que c'est tout à fait en corrélation avec ce qu'ils veulent faire. Donc, nous, on est ouvert à tout le monde, en fin de compte. Hein. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde prenne du plaisir, surtout dans la pratique, et arrive à ce qu'ils veulent vraiment réussir à mettre en eux, quoi. Ok. Ben, écoute, super. En tous les cas, toutes les informations, hein, je les mettrai dans la description. Donc, si vous voulez y aller, vous pouvez directement donc, contacter Fabrice. En tout cas, ben, je te remercie encore une fois c'est moi, pour hein. cette interview. C'est très intéressante, très enrichissante. Et puis, bah, écoute, au plaisir de se croiser et puis de faire un petit peu de Muay Thai. Ça sera avec grand plaisir pour ma part. Écoute, je te donnerai les dates des stages. Ouais, ok. T'habites où, toi ? Là, je suis à Annecy actuellement. Après, je bouge pas mal, mais là, je suis région Rhône-Alpes, Lyon-Annecy. D'accord. Bah, je te dirai si j'arrive vers chez toi, je te ferai signe. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Si je suis dans le coin, je serai présent. Ok. Bah, okay. Merci pour ton accueil. Et puis, c'était vraiment sympa de partager ça avec toi. Ok, et eh ben écoute, c'est réciproque. Je te remercie. Ok, bah, ça va les caps, hein. Salut. Ciao.